Salam alaikum. Nous sommes nombreux musulmans à vouloir consommer halal. Alors je vais tenter vous faire comprendre ce qui a été mis en place en collaboration avec plusieurs associations musulmanes. La charte, c'est quoi ? Le halal est un moyen et une condition pour cheminer vers le Créateur. Il faut donc un référentiel religieux commun. Mais pourquoi ? Pour éviter les risques de fraude, définissons le caractère halal des produits et éviter les industriels qui ne respectent pas les règles islamiques. Alors c'est quoi ? La charte rappelle ce qui est illicite, le sang, le porc, la bête morte par étouffement. Elle rappelle aussi l'obligation du respect de l'animal avant et après l'abattage. Elle rappelle également la manière islamique de sacrifier l'animal par une personne formée et contrôlée. Elle dénonce également l'étourdissement, l'ectonarcose, le gazage. Alors que faire ? Nous appelons les personnalités religieuses, responsables associatifs et consommateurs musulmans à rejoindre massivement les signataires pour organiser définitivement le marché du halal. En même temps, on peut se poser la question, est-ce que nous consommons trop de viande ? Elle est en effet un problème pour notre santé et un problème de respect de l'environnement. Je vous invite à nous rejoindre sur notre site ufcm.fr pour signer la charte et aussi inviter vos amis à le faire. À bientôt !